Madame, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, c'est une tranche de Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 21 mars 2024 où nous réagissons sur l'actualité et nous venons inhabituellement un jeudi parce que nous avions trouvé qu'il fallait quand même que nous puissions réagir à cette actualité ici qui est brûlante, qui nous a pris par donc totalement à peu près 8 mois où la mort a frappé notre grand frère Chérubin, que nous regrettons vraiment son départ parce que c'était quand même un pilier, c'était quand même un grand frère qui avait beaucoup d'idées, qui avait beaucoup de choses à donner pour cette République démocratique du Congo. Donc son inhumation a été hier et donc vous allez constater que cela est resté depuis qu'il est mort. Contact Pro Live a laissé son image donc sur cette chaîne ici. Donc nous regrettons vraiment encore une fois de plus et nous sommes dans l'amertume et nous allons en parler dans Réaction parce que hier c'était finalement la mise en terre de son corps. Donc c'est ça. Donc nous allons parler de qu'est-ce que nous pensons de lui, qu'est-ce qui va rester, c'est tout ce qui tourne tout autour de ça. Et puis, l'autre aussi d'actualité dont nous allons parler, c'est cette levée des moratoires de la peine de mort. Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai une pluie de questions parce que j'avais dit, moi, je ne répondrai pas ou bien je ne développerai pas cette matière-là parce que c'est une matière qui est vraiment très sensible. Et puis, c'est une matière juridique finalement. Mais je suis obligé d'en parler. Pourquoi? Parce que vous m'aviez beaucoup poser des questions, mon point de vue. Alors le point de vue que moi je vais donner ici, ça sera mon propre point de vue. Ça ne sera pas quelque chose comme une parole d'évangile ou quoi que ce soit. Je vais réagir sur l'actualité en tant que Congolais citoyen ordinaire. Mungamba, Mutupamba, Nakopesa, Makanisinangai. Ça va dans tous les sens. On parle de ci, on parle de traîtres, tout ça. Il y a beaucoup de notions qui entrent dans cette matière-là de la levée du moratoire. Et si nous avons encore un peu de temps, nous allons parler de ceux qui traversent. Beaucoup de gens aujourd'hui traversent, c'est-à-dire ils quittent le pays pour entrer dans la rébellion du M23. Et il y a un audio qui circule et beaucoup de gens m'ont renvoyé cet audio-là qui a été fait par celui qu'on appelle, il a été même reçu par le président de la République, c'est un Muzalendo, il s'appelle, j'ai oublié un peu son nom, Mulumba, quelque chose comme ça. Ce monsieur-là, moi je vais donner mon point de vue parce que j'ai parlé avec lui vivement dans un space X, ici, donc dans le réseau, nous en avions parlé, nous avions discuté. Je vais parler de mon point de vue sur lui. Alors, commençons d'abord par la mort de Chérubin. Il y a un député, je ne sais pas, ce sont des informations qui sont sur les réseaux, vous pouvez les vérifier. Il y a un député qui a été arrêté, il y a une voice, donc voice qui est sur les réseaux, qui est virale, où il parle de la mort, comment est-ce que Chérubin a été assassiné par, je ne sais pas, je ne veux pas y entrer, mais tout ce que nous pouvons parler, tout ce que nous pouvons dire, il y a un mort qui semblait, donc un mort dont la justice dit qu'il s'est suicidé. Derrière cette mort là Bandekweza kaka papa ezandekweza moko ya biso oyo, un député qui a été assassiné comme ça. Ça suscite beaucoup de choses. Stanley Boujakera a été arrêté, il a aussi fait 6 mois. On venait de le libérer à cause de cette histoire-là. Mais ce qui, moi, je regrette, c'est que nous n'avons jamais élucidé la mort. Il n'y a pas, on n'a pas encore en fait, donc la vérité sur sa mort n'a jamais été étalée. On nous trompe.
c'est parfois un jugement qui n'est pas catholique, on dit que non, il n'y a pas d'éclaircissement. On ne comprend finalement pas pourquoi est-ce que grand frère Wana Akufi, pourquoi accueilli? Qu'est-ce que nous gagnons, la République gagne en faisant zigouiller un monsieur comme ça? Un type bien, un type... Bon, il y a beaucoup de choses à parler sur cette mort-là. Vous aviez suivi les témoignages, vous aviez suivi comment ensemble... Et vraiment dans le deuil, nous avons perdu Chérubin. Chérubin est parti. Lumumba Mususu en accueilli. Batu Obazala qui n'a macanis. Moi, j'ai causé personnellement avec lui quand il était ici au soin. Tosolo Lakana, et on a fait pratiquement des heures et des heures à discuter. Et c'est comme cela que je me suis dit, Mutu a accueilli vraiment, c'est la République qui perd. Mort naie Ezali. Bénéficier nanani. En tout cas, je ne peux rien vous dire sur ça. Moutoua kouazoua kou bénéficier na morwana. Et ça ensemble, et ça nini. Mais ça, dans la mémoire collective des Congolais, nous savons que nous avions perdu encore un soldat. Nous avions perdu une crème. Kaka na babilo kwa buzoba buzoba. Alors, Akundami. La famille va essayer un peu de se relaxer parce que, bon, finalement... Mais la question demeure toujours, pourquoi Chérubin Akufi Kakaboué? Pendant que nous avons à la tête de notre pays quelqu'un qui se dit champion, il y a démocratie, Oyo, Ayaki Komeka, Kocha démocratie Nambo Kanabiso. C'est très malheureux, c'est vraiment quelque chose que je peux dire, Eza Koukoupé, ça passe, Namawa. Passe. Néanmoins, la République continue. Biso batoto tikali toko tikala ko même flambeau wana. Alors bato pe bazana pouvoir, il faut baye bakayango ke eloko na eloko ezalaka na suka na yango. Donc na régime oyo toza déjà na batumi balé oyo bakenda pe kakaboy. Il y a le grand frère aussi le frère le général Kayimbi. Qui est parti aussi comme ça. Oh, à ces suicidaki. Vous voyez toujours ces motifs. Et puis, l'histoire est sous Kipewana. Général Kayimbi Akenda Pekaboy. Oh, ami Bomi, tout ça. Ça, ce sont des secrets d'État. Alors, il vient maintenant quelque chose que le gouvernement Nabiso ait constitué, Balobi, moratoire, il y a. Il y a arrêt, il y a exécution, il y a mort est tombé. Donc aujourd'hui, le gouvernement se donne, comme je peux dire, il se donne maintenant cette carte blanche, donc la carte blanche pour tuer bah, traître. La question c'est qu'on se pose, qui est traître, qui ne l'est pas? Banani, bato bazo qui est à côté à M23, c'est ainsi que tout ça, comme on a que non, Mutu Oyo, comment dirais-je, Nani Oyo, le député qui est arrêté aujourd'hui à cause maintenant de cette voice Oyo Aloba qui a arrêté pendant que le moratoire a déjà été banni. Donc, moratoire à peine de mort, ils ont sauté. Donc, nous pensons maintenant que l'État a maintenant le main libre pour tuer les gens. C'est ce que je suis en train de vous dire, que ça ce n'est que mon point de vue personnel sur cette moratoire là. Tellement que avant babiloko oyo ba exécution ya batu oyo ezako ko monana neti ba exécution ya batu ya ba politiciens comme ça, même na tabakangi bango, mais l'exécution ba oyo ba kufi. Le général Kayimbi, Chérubin Okende et les autres. Parce que Bazali, Mbamsusu pe Bazali Bakufi, na babiloko. Boko landa yango mingi mingi, bote boyoka, nani, audio oyo, Mulumba wana soki mutu ya baembe ya ba wazalendo wana za koloba. Comment ils aiguillent les gens? Comment ils ont tué beaucoup de généraux comme ça? Baza ebele.
Baza kokufa kaka boy. Alors maintenant, officiellement, moi je pense que moratoire wana ndenge ba ko ici ango, eza ko pesa justification ke ba ko kanga yo officiellement, ba ko tia yo na boloko, ba jugé yo mbangu mbangu comme on a vu d'autres jugements qui ont été faits et puis ba le ba beti yo masasi okufi esili. Et comme il est imobé ko sikoyo. Peine de mort kozala prononcer beaucoup plus na liste ya bato bango moko ba pesi wana liste wana eza moulaye ba fait eza ba criminel ba o ba traître c'est puis de terme là nga naza komituna na lobi ba définir yango quand même to yeba ke non traître za nani est-ce que muto aza koyiba mbongo 500 millions de dollars 50 millions de dollars ya kotonga balabala ya kotonga ba institution ya kotonga mboka est-ce que aza plus traître que muto alobi que non nga na lembi makamboyo na kena nga ko supporte M23 bande ko traître nde nani et ça fait très mal ça fait très mal ya komona ke tozo kende kaka na babilo ko moko amateurisme ka ndengwana na bamboka mususu awa j'ai posté quelque chose sur mon Twitter na tindika ke loko moko ya koloba makambo ndenge za kosalema awa en Afrique du Sud sur les sujets sensibles comme moratoire à peine de mort ça devrait passer par l'Assemblée nationale. Ça devrait passer par le peuple congolais qui se disent que non, bon, voici, biso to pesi point de vue, na biso pona eloko wana. Est-ce que le moratoire wana nde, et kosili sabatu, bababa bomana, est-ce que yangone mtu kosili sa kuluna, yangone mtu kosili sabatu, ba iba kabamba babiloko e bele bele. Il y a quand même une procédure à respecter. Ainsi donc, botala nanu binomoko, ke tozo kene mbilinga mbilinga kaka. Est-ce que moratoire on a pour lever en haut ça, il fallait ça la décider na gouvernement transitoire au Bartolobi que non bango baza baza ko assumer ba affaire courante et lo ko grave net wana vraiment to ko pesa ngo na gouvernement moko botwebi ke bazo kende na bango donc ba to ba ko ya ko zala na gouvernement na soki ba lobi bon ok et lo ko na to zong sa to buka ngo to zong sa ke moratoire ngo to zong sa ngo zala nani. Est-ce que namboka nini ngo tozo naviguer boy sans que to solo la to analyser ba feignon surtout pour tozo ba décision à malam. Nous n'avons pas encore un gouvernement. Nous n'avons pas encore ba institution na biso pour le moment c'est la transition tozo kende wapi ba décision à minene marque ya marque oyo e bandaka kozwa makaka sans que toza. Ya ngona toza kokwe ya beaucoup plus na ba erreur. Et c'est là où je me dis, président de la République, azo sala erreur ya makasi ya ko décider ka ba biloko boye. Eza ba shortcut o nga na zolo bana lobi président de la République azo longo azo bleka nango. Les raccourcis ça ne vaut pas la peine. Bandeko, nazo yo ka batwa ba lobi ke no Kagame azo linga asolola na président de la République, c'est l'inverse. Nanya boya ki masolo na ba M23. Tshisekedi lui-même nous a dit que non, alingi kosolola na M23 te akosolola kaka na Kagame. C'est lui qui l'a menacé. Et il a été le premier à kokendo lukali solona na Luanda. Il était le premier à kolobanga na kosolola kana Kagame. Akosolola na Kagame nini? So babilo kwa na nyoso bozo mona ke toza sérieux te biso ba congolais bande ko na ngai. Nous ne sommes pas sérieux. Toza sérieux te. Sériosité na biso ezali wapi pour l'instant? Eza mawa. Moi je pense que na biloko eza ko kende nenge oyo. Le président de la République devrait koluka moyen ya koluka solution d'abord globale. Solution à la globale, solution à la technique, oh non, nazo kende koluka ba Russe, nazo kende koluka ba Américain, nazo. Le problème se trouve en interne. C'est en interne que se trouve le problème. Bandeko, donc, ndenge wana nde, ça c'est mon point de vue. Moratoire wana, moi je pense que. Ezako koti sabiso kana mbilinga mbileka. Tuko ya kozwa kaba decision, ba shortcut wana ba raccourci en pensant que eko ya kokiti sabato ba ngaka, tango ba ubando boma batu, eko banda kupesa lisusu, kubanga na kati ya batu. Demokrasi ezali wapi.
Bande kongana lobaka na lobi la paix la plus durable qui peut s'obtenir, c'est sur une table. Ce n'est pas que une nation a gagné par la guerre, batwana bako se venja kaka. Même atabo vandi na 3 ans, 4 ans ya guerre bato ina ya paix. Mais ceux qui ont été vaincus vont aller se préparer. C'est le cercle vicieux que nous voyons qui se répète au Rwanda. C'est ça le cercle vicieux, parce que vous aviez conquis la vous ne vous êtes pas entendu. Batwana bazape batu ya nzambe. Ce qui Gilles Mulumba na zoko lobalobi no to kende kaka par guerre. Par la guerre comment? Et puis laissez-moi ouvrir une parenthèse. Ba congolais nyoso obino bozola ndangai awa. Sachez que la guerre de l'Est est la guerre moko ya kiyole la biso ba congolais tozo kota na kati. Ça c'est une guerre tribale entre les Tutsi et les Hutu. Ce n'est pas une guerre des Congolais. Bah tous ina ba Hutu ne mutu baza ko entraîner biso na babiloko moko ya buzoba wana. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Regardez, ce sont les Tutsi et les Hutu qui ont appréhendé Kabila, qui n'est même pas dans la région. Bah kenda koluka Kabila. Kabila aye. Ce sont les Tutsi et les Hutu encore qui commencent à nous diviser ici. Bazan a pouvoir na Kinshasa. Ils sont c'est ces deux tribus là. Ils sont à Kinshasa. Ce sont eux qui sont en train de commanditer. Bah côté ici, ils sont à Bambroglio. Les gens de l'Ouest, bah Kasaïen, bah Congo, bah Nini. Bazan qu'on comprendre. Vous ne comprenez pas. Et nos frères Nande qui s'en mêlent aussi. C'est ça le problème. Nos politiciens Nande, moi je le plains. La solution, c'est de le contrôler en boka na biso bandeko. Le problème de notre pays, c'est que nous n'arrivons pas à contrôler notre pays. Quelqu'un peut aujourd'hui être un Muzombo, il va se déclarer congolais. Et il n'y a pas de mesure de contrôle. L'État est arrêté. C'est comme ça que biloko wana batu wana baza ko profiter na biloko oyo ko influencer ka biso ko diviser ka biso parce que l'état na biso ezate ya bomoko oza ko kamba mboka na biso. C'est terrible mes chers amis, c'est vraiment terrible et que c'est déplorable. Ça cause qui banani yango baza ko perdre na eloko oyo eza biso moko. Alors Félix aza ko comprendre wango te. Félix, qui est aussi un agent de ba commanditaire nabiso à la tête de notre pays. Peut-être que nous sommes à la tête de notre pays. Non, Félix ne s'est jamais encore réveillé. Parce que la solution, quand vous vous réveillez, vous trouvez une bonne solution. Solution est allée qu'on s'affronte dans Kagame. Solution est allée se confronter dans l'État congolais. Nyoso. Tala batunyoso baza kolobake. Oh non, ce sont les gens des bato bazo entouré président de la République. Non, ce n'est pas ça. La solution, elle n'en a pas. Félix aza na solution T. Même si a se rebellé na ba Rwandais, alinga se débarrasser na bango, mais il n'a pas de solution. La solution que nous sommes en train de lui proposer pour que nous puissions avoir finalement une causerie, il y a ba congolais na ba congolais aza kondima yango te. Pourquoi? Parce que c'est ça la solution. Et le Rwanda est contre ça. Le Rwanda ne voudra jamais à ce que nous puissions avoir un État solide. Il va utiliser les Gilles Mulumba là-bas. Il va utiliser tous ces beaux frétins, blocs qu'on a nous soit co-utilisé, bisonnions soit co-utilisé, bison, poto septo, poto kabwana. C'est de là que je suis en train d'appeler le peuple congolais à se réveiller. Bande kobola muka. La paix durable à l'est de la République démocratique du Congo ne viendra pas du Rwanda. Moi, je ne suis pas pour ce fleuve Congo. Moi, je ne suis pas pour là. Naza na bango te, ngana lingi M23 te. Mais na lilobi, batunyo so ba simba mandoki, ezaka kaneti baba kuluna. Tu ne peux pas être pour les kuluna. Tu ne peux pas dire que non parce que ba kuluna a za ba congolais to pe sa bango donc nous pouvons les laisser faire ce qu'ils sont en train de faire. Ba kodeko o baza ba congolais kuna nous ne pouvons pas être ça. Nous combattons tout ce qui est contre la paix en République démocratique du Congo. Ce n'est pas simplement le M23 non. Et ça ba tunyoso o baza kolinga ko tia mbilinga mbilinga na mboka na biso nde toza ko combattre. Et nous disons pour avoir une paix durable en République démocratique du Congo, ce qu'il faut absolument faire et zali ko bengi sabana nyoso a Congo bolobi boya to vanda to solola. Nous redonnerons le pouvoir à celui qui a les droits. Tout se basé na koloba ke mboka o eza mboka ya ba congolais d'abord.
Yoza nani po ya kosimba mandoki ya kuboma ba kongole msusu. So ki yoza kongole, uko simba mandoki pona ba kongole frema. Wana nyoswe za nini? Paske toboto laki pouvoir na ba oyo esengeli ba fanda na pouvoir na ngo. E sa ici a Contact Pro Live, nous prenons ce que nous appelons ici la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Kongole oyo place azali a solola, a vanda, a solola, a zana droit ya nini? Ba touba vanda, les chefs coutumiers, il faut les chefs de secteur, ba oto yebani na katia mboka, to vanda to solola. Kote ama si sikuna, il y a des gens qui se connaissent. Kote amune mile mine mbwekuna ezana batu bazak bayebani awa na pembeni awa na Kinshasa ba mobondo batu bayebani ba vanda. Il ne faut pas que ça soit un président de la République qui va se dire que non bokonzeze pa nanga moi je vais imposer la paix. C'est pour cela que bazuyé tango bakangie na ba Rwanda moyen loba ezate. Mais si le peuple congolais pouvait s'organiser donc na katia ba mboka na bango bazana pouvoir ya koloba awa eloko ekobimate awa biso nde tokosala bo. C'est pour cela que nous ici nous nous disons il faut qu'on appelle les états de lieu de chaque territoire bandeko et aux réactions kaka et puis nazala nanga mulai mingite kalate to banda tozo zongela ba émission na biso normal auto salaka Contact Pro la réflexion auto pesa ka ba solution na biso. Nous avions quelques petits problèmes pour na studio na biso mais je crois que vers le mois d'avril, déjà, tout cause à la dissous bien pour na topé sa barre réflexion. Oyo topé sa ka normalement. Donc, na tiki binonano awa, mais je sais que vous connaissez l'idée au toza koukene nango. Na kosenga pe na batu, oh ba s'abonner na noté, ba s'abonner. Abonnez-vous nombreux. Parce que l'idée n'a pas besoin de grandir. Na zomo na ba abonnement pendant exact. Nous quittons finalement. Une émission d'élite, tozo kende nango na émission à masse. Et ko commande nini, so ki yo s'abonne, so ki yo partage ba émission na biso. Toko commande. En tout cas, so ki yo landinga tisi koyo, na souka émission oyo, partage, so ko za abonne te, c'est-à-dire que, ba o bozo ndi mangai, ba o boza déjà abonne, bos partage ba émission na biso. La petite idée que nous avons peut grandir et donner quelque chose et réveiller ba congolais nyonso ba o bazana pouvoir a ko changer biloko to changer ngo na modèle wana na ba congolais nyonso. Merci beaucoup, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.